Bonjour tout le monde, bienvenue sur News Daily. Nous venons parler de ce qui s'est passé hier samedi en Corée du Nord. Et bien, président parti travailleur en la personne de Kim Jong-un, il a célébré à travers un gros événement et 75e anniversaire du parti travailleur là. Bah ça a été passé dans toute le broadcast dans télévision samedi à côté que et bien Kim Jong-un te dévoilé sa en pile expéré le pi grand missile pi grand missile balistique dans le cadre d'une parade militaire. Donc nous reprenons pour vous. Et bien expert yo dit c'est le plus grand missile balistique du monde. C'est ça North Korea mette sous pied là. Et bien yon massive zam qui en fait, j'ai utilisé à peu près 11 3 axial. OK, pendant à peu près 2 heures de temps dans la cérémonie ça pour être capable justement supporter missile balistique ça. Alice va comprendre que nouvelle missile ça et en fait nouveau missile ça que mettre sous pied là, c'est plus gros âme que Corée du Nord et gain là et que li ba possibilité pour yo mettre sous tête li ça nous relé tendez bien en deuxième m'a dit sous tête missile là gon bagage explosif ou ka mettre c'est que North Korea capable mettre plusieurs là-dedans li augmenter menace que capable poser dans target là sur monde notamment les États-Unis avec pas bien que non qui ont annoncé ça comment dit li pral montrer yo li pral mettre sous pied pour capable qui ça le peser et c'est ça le fait dans moment là donc ça et Kodjou l'a montré, eh bien, c'est vraiment une véritable menace le monde justement sous Kekoyo lorsque y aurait de pareilles capacités. Donc, on dit que avant parade là, analyse justement t'a posé question qui ça t'a pas le passé parce que qui nous ont annoncé ça, il dit, il gagne pour le montrer qui qualité d'âme qu'elle gagne. Non mais nan moment n'a pas là et c'est ça le fait vendredi a. Et maintenant je t'a parlé pour dire que très forte capacité nucléaire ça a permettre autorité pour sécuriser en fait état de Corée du Nord et côté que dit tout monde qu'on est là capable gain tête fret que personne monde pas venir attaquer parce que ça servit j'en dis à une mesure de déterrence ça veut dire un signal qui pour décourager n'importe moun qui t'a gen intention attaquer yo c'est ça missile ça représenté pour le Corée du Nord et maintenant on dit que t'es gagné dans parade ça tout en fait on dit c'était un véritable show quelque part les montrer qui gens que Corée du Nord capable organiser de show militaire parce que t'es gagné plusieurs arsenal la donne t'es gagné plusieurs sous-marins qui capable lancer des missiles balistique te gen ça n'ta rele des armements de tank body armor c'est ça analyse fait comprendre Kim Jong-un qui t'a parlé devant un tank et un missile qui leader Corée du Nord là justement t'a parlé de militaires dans pays a et qu'il dit il fait comprendre que nous là pour nous défendre peuple il fait comprendre que n'a toujours continuer renforcer capacité nous pour nous monter capacité pour nous capable défendre tête non c'est Kim Jong-un qui a parlé il fait comprendre que puissance armement nucléaire armes que nous gagnons c'est pas un bagage que nous pral abuser c'est un bagage n'a utilisé de manière préventive pour empêcher moun vinn avec nous l'a contribuer à protéger souveraineté et survie de pays noir pour nous capable chercher la paix sans façon pour Kim Jong-un dit si vous cherchez la paix faut nous gain capacité de guerre c'est en anglais c'est en fait il est dit pour chercher la paix faut nous gain capacité de frappe de guerre donc il fait comprendre que zam sa yo c'est la paix à chercher en guise de la guerre il fait comprendre de toutes les façons si n'importe moun t'a chercher blesser sans d'arrêt les sécurité nous ou bien menacer force militaire
force militaire nous yo, eh bien, n'a mobilisé toute force offense nous pour nous pour nous mettre en pièce pour nous punir. C'est Kim Jong-un qui a parlé. Et il a montré que effectivement que il y a une avancée de programme nucléaire et qui fait effectivement au niveau de Corée du Nord. Il y a gagné plusieurs armes de modernisation, des introductions de nouvelles catégories de armoires, un pile investissement fait mal au niveau ça. Et ça qui était évident effectivement pendant 2 heures de temps événement ça qui était fait hier samedi, c'est que Corée du Nord, tout expert et tout, mettez-vous d'accord que vous consacrez, vous organisez un show, une parade, d'ailleurs vous habitué faire. N'a pas rappelé que ça a fait, vous avez célébré 75 ans depuis parti paroi, que vous êtes parti travailleur, depuis qu'il existait, c'est dans le cadre d'anniversaire parti ça. Et en fait, vous avez un drone, qui avez une caméra là-dedans, et en pile monde qui était close sous parade là t'a observé tout mouvement yo. Et maintenant ça que peut-être en fait il y a pile monde sans pile monde pas quoi pendant événement ça qui était surprenant nous pas de masque et on va demander est-ce que effectivement gien coronavirus a frappé Corée du Nord tout côté aller connait la monde masque tout monde masque ouais du normal que gon pile fou le monde non gros événement de ce genre yo pas gien aucun masque. L'idée Kim Jong-un qui justement t'a parlé à un certain moment de la durée, mon t'ai l'impression que t'a crié, donc peut-être il était un peu émotionnel. Il remercie tout le monde, il remercie force militaire pour l'effort qu'il a fait pour justement gagner les recovery par Bible récemment t'ai gagné ça dans les inondations qui t'ai dédommagé en bon valet monde. Il remercie militaire qui aide monde en ce sens. Il remercie tout puisque il dit au combat coronavirus là. Il dit coronavirus qui touille près de 1 million monde à travers le monde et que il dit nous-mêmes nous pas gain même une grande victime. Il dit lui remercier justement tout le monde qui en bonne santé et monde qui pas en fait le fait que yo pas de victime de virus ça. Il dit le fait que nous arriver défendre peuple nous monde nous de épidémie ça à travers le monde capable un signe que effectivement nous respecter responsabilité nous et succès parti. Caméra ou t'a montré tout gen ensemble de moun nan foula qui t'a crié même à travers soldat ou Kim Jong-un prêté serment, il dit il sermenté 77 fois, 7 fois la continue bataille pour protéger toute population Corée du Nord là. Il bien dit moi sermenté une autre fois encore sous place ça que m'a vive que m'a nous mettre ferme confiance que ma bataille pour nous jusqu'à la mort, même lorsque yo ta touye me déchire moi prêt pour me battre toute vime pour me défendre confiance que nous fait ces paroles qui t'est sorti dans bouche Kim Jong-un. Et you n'en fait que mon pas remarquer pendant causé ça c'est que yo pas justement remarqué yo pas cité non des États-Unis nous connaît alors que nous connaît Kim Jong-un t'est fait et presque plus de 3 visites avec Donald Trump, mais Kim Jong-un pas justement parler de causer Donald Trump réunion et de réunion ça. Et on dit prochaine étape là, c'est lorsque pral gen ça dans le congrès pour nouvelle année côté pral gen une nouvelle élection bon en Corée du Nord, là pas vraiment élection côté que Kim Jong-un pral réélu. Et bien entendu, d'autres points pourraient venir dans le futur. Mais est-ce que, à ce moment de la durée, et Corée du Nord, ça a été montré, ça a été attiré dans, qui a été montré opinion publique, justement, ses capacités de frappe. Maintenant, en fait, Pentagone pour qu'on réagisse sous déploiement capacité de frappe que Corée du Nord est justement montré hier samedi. Donc c'était vraiment une powerful force au niveau de militaire là qui garantit souveraineté pays et montrer que yo capable compter sur tête pa pour bail sécurité territoire côté que yo ya et Jean Kim Jong-un dit zam sa yo capable contribuer à rétablir la paix que lui-même l'a cherché. Donc voilà guys, nous t'ai voté pour vous justement
eh bien show ça qui était fait et eh bien côté que Kim Jong Un t'a montré et ça qu'elle pesait. Donc nous devons te update ça pour vous. Pas oublier de rester connecté avec nous. Les toutes dernières informations, n'a partagé avec vous. Bye bye tout le monde.